Yo! C'est ça que je vais faire ça? Non. Yo! Salut. Yo! Salut les gars! Bienvenue dans une nouvelle vidéo en compagnie de Amine. Salut tout le monde! Qui fait des vidéos, qui fait de l'urbex. C'est-à-dire que je tourne à l'extérieur dans des lieux abandonnés, dans des lieux à explorer, à découvrir. Oh, c'est beau ça! Et puis on a aussi Sofiane derrière. Je suis là! Et donc du coup, aujourd'hui on va ouvrir une box avec Amine. Est-ce que t'as déjà fait un unboxing ou pas? Alors oui, j'avais 16 ans, j'avais acheté Dead Space 2 et j'avais fait une vidéo sur Dailymotion, qui est, je pense, encore disponible, où je déballe le jeu. On va la mettre. La box d'aujourd'hui, donc c'est une woodbox, comme d'habitude, sauf que bah, c'est sur le thème de Star Wars, parce que vous avez peut-être vu qu'il y avait le nouveau Star Wars qui était sorti. Et puis c'est la fin de l'année, donc du coup ils ont mis pas mal de budget, je pense, dans cette box. D'ailleurs, si vous voulez la commander, vous avez toujours mon code qui est disponible dans la description. Si vous voulez celle-ci, elle sera disponible que aujourd'hui. Et puis restez jusqu'à la fin aussi, j'ai une petite surprise pour vous. Et pour moi? Ah non. Ah ouais. Bah si, vas-y, je te fais une surprise aussi. C'est vrai, j'ai le droit à un cadeau. Non, tu dois juste rester à la fin de la vidéo. C'est vrai? Ok. Le concept de la vidéo, en fait, c'est super simple. Donc Amine et moi, on va se duel sur les objets qu'il y a dans la box. Et puis on va trouver le juste prix. Et puis Sofiane, derrière, va vérifier et nous dire qui a bon ou pas. Et celui qui est le plus proche du prix, en fait, bah, remportera l'objet. Donc en fait, si tu veux des trucs dans la box, il faut que tu me battes. Oh, c'est stylé ça. C'est quoi le jeu? Mais tu dois trouver le prix. Ah, le juste prix. Oui, oui. Comme l'émission télé. Oui. Pourquoi t'as pas commencé comme ça? Non mais c'est chaud parce que je pense que tu peux pas trouver le prix de ça. La vie est ma meilleure que si. Et attends, et alors, regarde, attends. Parce que je crois que dans ce fascicule il y a les prix en fait. Donc, non mais si si si. Il y a moyen. Moi je vais trouver le juste prix, j'ai l'habitude d'acheter des objets comme celui-ci. Alors, donc voici un sticker Star Wars. Donc voyez pas trop parce qu'en gros quand on le décolle, c'est transparent. Ah, mais c'est écrit sur du blanc parce que Star Wars c'est écrit sur du blanc. Donc c'est un sticker Star Wars. Moi je dis 1€. Ouais, 1€. Non, mais t'as pas le droit de dire pareil. 2€. Franchement. 2€. Donne, parce qu'il faut que je vérifie le truc, parce qu'il y a plein de stickers. Ah, mais il y a pas marqué dans le fascicule? Non. Tu as été gagné parce que c'est 22 centimes. Oh. Et t'as trouvé le même? J'ai trouvé un sticker du même pareil. De la même valeur. Ouais. Okay. Prochain objet, un pin Star Wars. Bah ça, franchement. 50 centimes. 1,80€. Mais si, mais c'est obligé, c'est fabriqué par Disney. C'est ce que t'achètes à Disneyland. C'est super cher ça. C'est 1,80€ ça, j'en suis sûr et certain. 50 centimes. C'est pas l'épicerie. Je pense que c'est Amine qui a gagné parce que les pins que je vois là, c'est à 15 balles et tout ça. 15? C'est un petit pins. Oui, c'est des pins de Disney. Oh, bon bah tiens, t'as gagné un pins. Sérieux? T'es content ou pas? Tu veux qu'on échange? Parce que moi c'est pour mettre sur mon scooter ça. Vas-y, on échange alors. Franchement ça sur mon scooter ça va péter la nuit. Donc prochain objet, ce sont des dessous de verre Star Wars qui bougent. Genre en gros quand on bouge comme ça, bah les personnages ils bougent. Ouais, c'est stylé hein. Par contre, un seul ou la valeur des deux? Moi je dirais 7,50. Pour les deux? Ouais. Bah en gros genre un dessous de verre, 3,75. Je vais le dire, je suis son avis mais je peux pas. Plus 2,50€ le dessous de verre. 86 centimes. Le dessous de verre. Non, attends, c'est un hologramme. 86 centimes. Mais t'as tapé, c'est fait par... Et c'est 6€, 4... c'est 7€ pour les 8. Pour les 8? Mec, c'est fait par Star Wars, enfin c'est fait mais par Disney. Du coup, c'est moi qui ai gagné. Ok. T'as dit combien? 3€. Et toi? J'ai dit 2,50€. Non, moi j'ai dit 3€ les deux, donc ça fait 1,50€ le truc. Attends, t'as dit combien? J'ai dit 2,50€, genre un seul. Et toi, c'est 1,50€, t'as gagné du coup. Ouais. Ok. D'accord, il y a pas prochain de soucis. Objet. Moi, j'ai un vieux sticker à sa mère. Oh là 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 là, Chelle. Prochain objet, c'est une pop. Ouais, là, je veux gagner. Faut que je gagne. Une figurine pop et c'est genre celui qui... Oh non, j'allais dire celui qui... Je me rappelle même plus de lui. Ah oui, 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 exact. Ça sera un vrai 12,50€. 14,90€. 14€. Mais tu vas parce qu'elle, elle va souvent à la FNAC et tout ça, putain. C'est pour ça, tu vas souvent te balader. Y'a pas de soucis. Prochain objet, c'est un verre. Mais j'en veux pas. C'est un verre donc Rogue One et c'est un Death Trooper dessus. Il est stylé le verre par contre, il est très très beau. Il change de couleur. Il change de couleur? Ah oui, d'accord. Quand tu le... Ah oui, c'est puissant. Il change de couleur. Ah si, j'ai ça, moi je garde. Il devient blanc quand c'est room cold, c'est vert. Et quand c'est room température, c'est blanc. Sérieux? Coucou ma chérie. C'est stylé même, tu peux te réchauffer les mains, ça veut dire et tout bien. Tu sais quand t'as froid en hiver. Non, il y a rien compris. Ça change de couleur quand tu... Mais non, mais c'est chaud donc tu vois. Du coup, t'es content, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai pigé. Vous êtes pressé? Allez! Oui! D'accord. Il est mis à l'envers, ce bâtard. Je l'ai mis à l'envers, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Pourquoi tu lui as dit? Merci, je suis con. Ok, donc on est au vert. Je dis 17€. 7,50€. 16,75€. Bah attends. C'est
Kiki. C'est moi, c'est toi, c'est proche. Prochain objet, du coup j'ai gagné le vert. Je vous rappelle que j'ai toujours que les stickers. Il reste plus qu'un seul objet. Allez, vas-y. Par fierté, on continue, on n'abandonne jamais. C'est un t-shirt. Attends, mais Mouchi, c'est pas à ta taille le t-shirt. Pourquoi tu le veux? Donc c'est un t-shirt de Star Wars encore. Putain, il est beau. Hein. Mmh. Moi je dis 25. Tu t'es trompé. 15€. 14,90€. Sérieux ça? Bah, la fierté. Le attends, Super Saiyan Rumble Force. Attends, le pins, il vaut je sais pas combien parce que c'est un Disney et ça c'est un t-shirt Disney. Bah c'est plus cher ça. Si tu veux en échange. Bah tous-y. Alors tu veux échanger contre quoi? Franchement ça, ça vaut la valeur de deux trucs. Tiens. Ah ouais, bah oui. Bon. Non mais il est à toi t'as gagné. Ah bah oui. Bon bah du coup on a fini et puis bah je pense que j'ai remporté parce que j'ai eu plus de trucs que toi. T'as eu deux items, moi ouais. J'ai eu 1, 2, 3, 4. J'espère que cette ouverture de box vous a plu. Vas-y, je suis une connasse à minuit. J'ai menti en fait et j'ai pas gagné. Donc normalement t'as gagné ça. Quoi? Quoi? C'est vrai? Sérieux? Quoi? J'avais dit 7€ les deux. Et après j'ai dit non c'est 3€ les deux que j'ai dit. Du coup j'ai pas gagné. Ah tricheur. Ah mais t'avais non j'ai pas capté moi. Oh lolo. Et après on dit les arabes. Les arabes. Je garde le vert et je te donne la pop. C'est vrai? Mais je garde le vert parce que je le trouve cool que ça change de couleur. Attends je suis patient. Mais deux heures ou quoi? Eh, je sais pas. J'aurais pu tout garder. Mais c'est ça la négoci. T'es déjà allé au Maroc? C'est ça? Attends, je réfléchis. Parce que là, il est froid, tu vois. Donc, je sais pas si ça, c'est chaud à la fin. Mais ça chauffe pas, ça change de couleur. Non, mais si tu mets du chocolat chaud. Voilà, ça change. Ça chauffe. Voilà. Mais non, ça change. Oui, mais ça chauffe aussi. Non, ça chauffe pas, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, parce que le chocolat chaud, il est chaud. Mais alors, tu prends un verre normal et ça chauffe aussi. Tiens, oui, c'est vrai. Est-ce que je peux le déballer? Mais tu fais ce que tu veux, c'est ta pape. J'aime bien garder les boîtes. Moi, chez moi, j'en ai plein des boîtes. J'ai Far Cry 2. Vous vous rappelez de Far Cry 2? J'ai Call of Duty World at War. Vous vous rappelez de Call of Duty World at War? J'ai un grand passé de gamer, moi, vous savez. C'est bien parce que j'ai pas la chance de m'exprimer comme ça sur ma chaîne YouTube. Et là, d'être sur une chaîne un peu comme celle de Chelsea. J'allais dire ton vrai nom. Heureusement, je l'ai pas dit. Mais ça va, Sa tête, elle bouge. Oh. Regarde. Il devient blanc ou pas quand je le chauffe, lui? Oui. Non, lui. Ah non. ma première figurine qui bouge la tête. Et quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'avoir une figurine qui bouge la tête comme ça. C'est pour la mettre dans la voiture comme ça. Le problème c'est que j'ai un scooter, du coup ça va pas tenir. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo, mais avant de vous laisser, bah, tout simplement je vais vous faire gagner une box comme d'habitude parce que bah, c'est la Woodbox Star Wars. Je vais en recevoir une deuxième, celle-ci je vais garder parce que j'ai tout donné à Amine. Et puis la prochaine que je vais recevoir, et bah, ira à un d'entre vous. Donc il suffit juste de liker la vidéo, de mettre un commentaire comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous fais des gros bisous, et puis Amine aussi. Je vous fais des gros bisous. J'ai pas l'habitude de dire ça, moi je dis à Jimmy. Au revoir.